Excellents enfants des dieux, recevez nos distinguées salutations partout où vous nous suivez. En ces jours, nous allons parler du plan rédempteur des dieux pour l'homme en Jésus-Christ. Bien avant toute chose, je nous demande d'adresser au Seigneur Jésus quelques mots pour recommander ces moments entre ses mains. Prions. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains, ouins ma bouche, mes mimiques et gestuelles, et sers-toi de moi comme un instrument dans ta main, afin que je sois un canal de bénédiction pour quiconque suivra cet audio. En Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Toujours dans le même esprit de notre partage biblique, aujourd'hui, nous allons parcourir le livre de la Genèse au chapitre 3, à partir du 7e au 19e verset. Bon, je rappelle bien Genèse chapitre 3, à partir du 7e verset jusqu'au 19e verset. Déjà, à titre de rappel, dans notre dernier voice, nous avons parlé de la chute d'Adam par le péché de la désobéissance à la loi des dieux commis par Ève et Adam face à la tentation du diable qui est imagée par le serpent et qui sera plus tard mentionnée dans Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, comme le serpent ancien. Déjà, j'aimerais vous dire qu'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Hein. Nous avons eu donc à évoquer déjà quelques conséquences que ces péchés ont causé à toute l'humanité, entre autres la mort spirituelle, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu et de laquelle découle la mort physique, et dont la solution était, depuis toujours, elle demeure Jésus-Christ, par le biais de la nouvelle naissance. C'est ainsi qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer ou voir le royaume des dieux. Ce n'est pas parce que, par exemple, je me réjouirais qu'un bateau reste longtemps dans un aéroport qu'il peut un bon jour prendre de l'envol et puis décoller comme un avion. Non. Vous pouvez, en d'autres termes, connaître ou être connu, voire même des hommes des dieux. Aller à l'église, chanter, prier, connaître la Bible, mais ne pas connaître réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et sans beaucoup plus tarder, je nous propose d'ouvrir nos Bibles, si nous pouvons, et de suivre avec moi, au cas contraire. Je rappelle que nous sommes dans Genèse 3, du 7e au 19e verset. Je vais lire dans ma version Louis Segond. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de prime abord, cette portion nous fait comprendre que la honte s'est installée dans l'âme de l'homme, puisque Adam et Ève ont été créés nus, et ils ont toujours été nus dès les commencements. Mais cependant, ils n'en avaient point honte. Mais le jour où ils ont péché, certainement, leurs yeux se sont ouverts. Je rappelle qu'ils n'étaient pas aveugles, mais cette expression fait allusion aux yeux de l'esprit. Le tentateur Satan leur avait dit que le jour où ils mangeraient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils deviendraient comme des dieux. Chouette, n'est-ce pas? Vous trouvez? Devenir comme des dieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient déjà créés à l'image et à la ressemblance des dieux. Ils étaient déjà comme des dieux. C'est pourquoi le psalmiste va le dire plus tard, « Vous mourrez comme des humains et pourtant vous êtes des dieux. » Or, quand ils eurent écouté, donc quand Adam et Ève eurent écouté Satan, ils ont mangé le fruit. Quoique leurs yeux fussent ouverts, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient pas devenus comme des dieux. Mais au final, la honte s'installa en eux. Avec une telle honte, on ne voit que du négatif tout autour. Souvenez-vous du rapport de 10 sur 12 espions que Moïse avait envoyé. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Cette honte n'est rien d'autre que le déshonneur. Anticipativement, je voudrais déjà marteler que notre Dieu est contre le nudisme. Concept que nous évoquerons prochainement au 20e verset. Adam, tout comme Ève, était conscient d'avoir perdu quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas le moindre. C'est ce qu'on appelle la gloire des dieux. L'homme et la femme avaient perdu la gloire des dieux. Ainsi, l'apôtre Paul va les dire plus tard, je paraphrase directement, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Certes, tous avons péché en Adam, et c'est pourquoi sans Christ nous étions et où encore nous sommes privés de la gloire. » La gloire des dieux, c'est quoi alors? La gloire des dieux, ce n'est pas la richesse, encore moins le succès. Mais la gloire des dieux, en d'autres termes, donc vous connaissez la gloire des dieux, Kabod, tout ça. La gloire des dieux, c'est la présence manifeste des dieux. Et c'est dans cette présence des dieux, ou encore dans cette gloire, qu'on retrouve la richesse, le succès, le poids, la réputation, etc. Je n'ai rien contre la richesse et les riches, mais d'ailleurs, beaucoup de ceux qui se disent ou sont indexés, applaudis comme riches dans ces siècles présents, ne vivent pas dans la gloire des dieux. On doit se dire les choses. Je peux m'illustrer pour mieux me faire comprendre. Prenons par exemple un homme ou une femme, donc en général une personne qui vit dans la gloire des dieux. Elle peut manger même la nourriture réservée aux pauvres, aux démunis donc. Mais cependant, elle sera en bonne santé, elle fera bonne mine. Comme ce fut le cas de Daniel et ses compagnons, vous vous rappelez encore au mets du roi Nebuchadnezzar, les livres de Daniel au chapitre 1er. C'est-à-dire que quand il y a la gloire, il y a un certain éclat qui vous distingue de ceux qui n'en ont pas. Rappelez-vous aussi de Moïse, après son jeûne de 40 jours, quand il est revenu vers les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu lui fixer le regard puisqu'il y avait la gloire des dieux qui rayonnait sur son visage, puisqu'il avait vu Dieu.
En deuxième lieu, malgré que l'homme et la femme, Adam et Ève, aient péché, l'Éternel Dieu compatissant et omniscient, donc il est bon, miséricordieux, et il connaissait toutes choses, il savait qu'ils avaient péché. Même en créant le monde, il savait qu'ils pécheraient. Mais viens au moins les approcher. Et là, j'aimerais souligner déjà quelque chose. Que ce n'est pas puisque Dieu vient nous parler, par exemple par les visions, les prophéties, les songes dans sa parole, que nous sommes saints à ses yeux. Non. Bien-aimés, examinons notre marche. Vous pouvez écouter Dieu en vivant dans le péché. D'ailleurs, ce fut le cas pour Adam et Ève, puisque juste dès qu'ils ont péché, Dieu est venu leur parler. Sauf que leur intelligence était devenue voilée et corrompue. Une des preuves, hein. Voyez-vous, Adam qui connaissait bien le jardin. Il connaissait bien le jardin, il a nommé tous les animaux, il connaissait bien le jardin. C'est lui qui les cultivait déjà. Mais quand Dieu va l'appeler et lui poser la question « Où es-tu ?» Adam, ce jour-là, fait preuve qu'il n'était pas bon géographe. Puis c'était une question simple à laquelle pourrait répondre même un petit enfant « Où es-tu ?» Mais Adam, ce jour-là, il a cherché toutes les astuces possibles pour y échapper. Tout ça à cause de la peur. Donc la peur était malheureusement la bienvenue dans l'âme humaine. Dieu est amour. Et l'amour parfait, nous dit sa parole, bannit la peur. À propos de la peur, souvenez-vous que Dieu nous a donné non pas un esprit de crainte, mais celui des forces, d'amour et de sagesse. La peur, c'est exactement l'inverse de la foi. Et c'est une des résultantes du péché. Frères et sœurs, on ne peut pas se faire amis et collaborateurs de Satan sans qu'il ne laisse ses empreintes et ses quelques attributs en nous. Tout le monde est tenté, même Jésus-Christ, le second Adam, le fut aussi. Mais il a été vainqueur en tout. Le seul qui ait pu dire « Le diable s'approche, mais il n'y a rien de lui en moi. » J'aime beaucoup cette citation biblique. Il a dit « Quand vous priez, dites à votre Père, de ne pas vous induire en tentation, mais de vous délivrer de toute la puissance du malin. » Et Jude va le dire avant juste l'Apocalypse, Jude le frère consanguin de Jésus. Ainsi à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, soit notre Seigneur soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous voyons bien qu'outre la mort, la honte, le déshonneur, la peur, la malédiction avaient élu domicile dans le quotidien de l'homme et de la femme, ainsi que dans toutes les structures de la création. Et Dieu, après avoir également maudit Satan, imagé ici par le serpent, finira par donner une promesse qui est une des clés même du message du salut de l'humanité, qui est la promesse révélatrice de la venue d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un vengeur. Cette promesse, elle se situe au 15e verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Après avoir entendu cela, le diable, malin qu'il a toujours été, on nous dit déjà qu'au chapitre 3, il était rusé, donc. Il était toujours malin. Il a commencé à contrôler, à surveiller la postérité de la femme pour voir qui est celui-là qui naîtra un jour pour le combattre. Il était aux aguets en train de vérifier chaque fois. Ainsi va s'aimer le conflit dans la première famille, donc la famille d'Adam et Ève. Et il va arriver le premier meurtre qu'on verra plus tard à partir du chapitre 4 par Caïn.
Et vous verrez bien que dans la plupart même des familles, des personnages mentionnés dans la Bible, hein, ne parlons même pas de l'époque de Noé où la perversion donc ravageait jusqu'au déluge. Encore moins des Nimrod jusqu'à la tour de Babel, où il a voulu donc rebeller la race humaine contre son créateur. Et d'autres comme Abraham, on sait bien quand Abraham sont sortis donc Ismaël et Isaac, et de ces deux-là est née la guerre donc religieuse entre musulmans et chrétiens jusqu'à nos jours. En Isaac, il y avait déjà Jacob et Ésaü qui se sont disputés les droits d'aînesse. Et en Joseph, plutôt en Jacob, on voit Joseph et en conflit avec ses différents frères. Et dès là, on voit bien que le diable est cherché qui est la division, car c'est dans la division qu'il arrive à bien asseoir son royaume des ténèbres. En inculquant les mauvaises pensées, souvenez-vous, le Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, et les mauvaises pensées ont pour siège notre cœur. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement, si vous me permettez. Donc dès là, j'aimerais déjà vous dire ceci. J'aimerais nous faire comprendre que la division n'est pas des dieux. Je soulignerai déjà que la division dont Jésus fait mention dans les évangiles, elle concerne l'esprit. Quand il dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour la division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Cela voudrait simplement dire que ce n'est pas puisque, par exemple, nous avons un parent païens que nous devons forcément être aussi païens. Donc Jésus-Christ voulait simplement nous dire qu'il doit être le premier en tout dans nos cœurs. Pas notre Père, mais avant tout c'est Jésus-Christ. Et ensuite, on place nos parents aussi. Donc avant tout, c'est Jésus-Christ tout d'abord. Avant même nos parents, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Mais certains ont mal interprété ces versets et ont divisé beaucoup de familles avec des fausses prophéties en taxant leurs membres de famille des sorciers. Par là, je ne voudrais pas dire que la sorcellerie n'existe pas. Hein. Loin de là, certes la sorcellerie existe, nous en connaissons quelque chose. Hein. Mais Dieu demande d'aimer tout le monde, y compris les sorciers. C'est simple de vivre au milieu des sorciers. Quand on vit dans les principes des dieux, c'est-à-dire on doit les aimer normalement, on doit être prudent et enfin bombarder leurs œuvres par la prière. Et dommage, j'aimerais le dire donc tout haut, que c'est aux sorciers de nous fuir et non pas l'inverse. Hein. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai du combat dans la prière, autrement communément appelé, donc connu sous le nom de combat spirituel. Vous verrez même plus tard que l'apôtre Paul ne contredit pas son maître Christ, qui est également notre maître, dans une de ses épîtres, lettre qu'il envoie à Timothée. Il dit ceci, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je crois être clair là-dessus. Revenons donc au sujet de notre rédemption. Nous disions déjà qu'ainsi pour tous ceux-là qui naissaient, dès que le royaume des ténèbres remarquait que ceux-là avaient quelque chose de contradictoire à leurs principes, ils fuyaient dans leur vie pour trouver des failles afin de pouvoir les disqualifier. Or c'était peine perdue. Ce qu'il ignorait, c'est que le fils de la postérité de la femme allait naître sans concours, sans participation de l'homme, afin de redonner de la valeur au faible vase, qui est la femme dont il s'était joué en Éden. Puisque c'est Ève qui fut séduite par le serpent en premier et qui mangea le fruit, ainsi Dieu dans son plan plus tard
va faire les choses de telle sorte que c'est par le fruit des entrailles d'Ève en Marie que Jésus va naître pour accorder la rédemption à toute l'humanité. Ainsi, comment cette révélation peut-elle s'appliquer dans notre vie? C'est simple. Dieu va t'élever là où tu as été abaissé, premièrement. Dieu va te bénir là où tu as été maudit. Dieu va te donner de la valeur là où tu as été humilié. Dieu va te donner de la victoire là où tu avais échoué. Et Dieu te fera ressusciter là où tu as été enterré. Mais bien aimé dans le Seigneur, je nous épargne de beaucoup de détails. Vous le savez aussi bien que moi qu'au temps marqué par Dieu, en accord avec les prophéties, son fils naquit en la personne de Jésus-Christ. Le diable va le tenter par tous les moyens possibles, en passant même par la trahison, conduisant jusqu'à sa vente afin qu'il soit tué, lapidé et qu'on oublie son nom donc dans toute l'histoire. Mais cependant, le diable va commettre une grosse erreur, puisque Jésus-Christ va devenir la référence de toute l'histoire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, du 6e au 8e verset pour surenchérir ce que nous venons de dire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Amen. L'apôtre Paul fait mention de la sagesse des dieux, car si le diable savait que c'est en t'infligeant toutes sortes de difficultés, douleurs et problèmes qu'il t'est poussé à connaître ton Seigneur sous toutes ses facettes, il ne l'aurait pas fait. Frères et sœurs, même s'il t'a causé la maladie, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier ton Dieu et il va te guérir. Et tu seras confirmé, témoigné que Jésus-Christ guérit. Et lui, Satan, sera dans la confusion et la honte. Souvenez-vous, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. S'il t'a causé la sécheresse ou le chômage, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Il va te venir en aide. Et tu sauras confirmer, témoigner que réellement, du fumier, il relève l'indigent. Et de la poussière, il retire les pauvres. Et le fait asseoir avec les grands. Il est la source intarissable de notre vie. S'il t'a causé la mort dans ta famille, dans tes affaires, dans ta vie, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu et il va te restaurer et ressusciter tout ce qui est mort. Et tu sauras confirmer, témoigner que Jésus est la résurrection. Bien-aimé, s'il a causé le divorce dans ton foyer, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et il va t'accorder la grâce du remariage.
et tu seras confirmé et témoigné que Jésus est l'ami fidèle. Bien-aimé, j'aimerais déjà le dire, la Bible dit « Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous dans le Seigneur !» Je le répète, réjouissez-vous ! Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Rappelez-vous, il est dit, et résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il a causé les disputes, les banditismes dans la vie de tes enfants, réjouis-toi également, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu et il va les transformer. Tu sauras confirmer, témoigner que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. S'il t'a bloqué dans la stérilité pendant longtemps, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et il va te donner des enfants. Et tu sauras confirmer, témoigner que c'est Dieu qui donne les enfants. Bien-aimé, s'il a pris ton mari, réjouis-toi, tu vas prier. Le mari des veuves te viendra en aide. Même si tu es orphelin, que tu m'écoutes, prends courage, réjouis-toi, espère en l'Éternel. Il est le père des orphelins, il ne t'abandonnera point. S'il a bloqué ton mariage, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et il te fera grâce afin de trouver la meilleure personne pour toi. La bonne personne pour toi. Et tu seras confirmé, témoigné, que réellement le mariage est une institution divine. Il vient de Dieu. S'il a causé les départs de tes collaborateurs et partenaires, tout ça, et consorts, réjouis-toi également. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu et il va t'accompagner. Et tu seras confirmé et témoigner que notre Jésus n'abandonne jamais. La Bible dit que même quand la maman arriverait à oublier l'enfant qu'elle allait, notre Seigneur n'oubliera en aucun jour ses élus. S'il a fait que les gens ne tiennent pas leurs promesses à ton égard, que tes droits soient lésés, réjouis-toi également. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et il va se souvenir de toi. Et va te glorifier. Et tu seras confirmé, témoigné, que le Dieu de Mardoché n'a pas changé et ne partage sa gloire avec personne. Il est la source de nos ressources. Bien-aimé, même s'il t'a tenté que tu es tombé, réjouis-toi. Je ne te condamne pas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, il va te pardonner certainement. Et tu seras confirmé, témoigné, que notre Dieu est compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Rien n'est plus éloquent, rien n'est plus excellent devant le trône de notre Dieu, si ce n'est le sang de son Fils Jésus, qui a été versé pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés, bien-aimés. Même s'il te culpabilise, réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le diable oublie quelque chose. Et ce qu'il ignore, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et il va te justifier et relever. Et tu seras confirmé et témoigné que notre Dieu restaure l'âme de ses serviteurs. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre qui fut rejetée par les bâtisseurs, mais qui fut trouvée la principale de l'angle. Oh, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Pendant ses jours dans la chair, il a connu aussi le rejet. Et c'est pourquoi, dans son humilité, en se donnant, en se rendant jusqu'à la mort de la croix, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Et ce nom-là aujourd'hui, c'est notre héritage, le nom de Christ.
Alléluia. En toute somme, notre Rédempteur vit et il s'élève en dernier. En Christ, toutes les promesses que Dieu nous a faites sont oui et amen. Commence déjà à réviser toutes les promesses que Dieu t'a faites. Elles sont dans la Bible et elles sont oui et amen en Jésus. Elles vont s'accomplir coûte que coûte. Aie la foi. Au fait, tout ce que le diable prévoit en mal pour nous, notre Dieu le change, le transforme en bien pour nous. Considérez chaque fois ces attaques comme la blessure du talon. C'est pourquoi l'Écriture dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Je paraphrase pour dire que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. La seule condition pour que toute chose concourt à notre bonheur, c'est d'aimer Dieu. On dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas tout concourt au bien de ceux que Dieu aime, puisque Dieu aime tout le monde. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est avant tout demeurer dans sa parole. Aimer son prochain aussi, comme soi-même. Demeurer dans sa parole, j'ai un exemple qui me traverse déjà. Qui me passe à l'esprit, c'est celui de Joseph, qui s'est retrouvé dans une terre étrangère. Il n'avait personne de sa famille, il n'avait pas ses parents, mais il a été obéissant. Il n'a pas pour autant renié la foi, il a gardé la même foi en l'Éternel Jéhovah. Il a été obéissant. Devant les multiples propositions des péchés que vous connaissez, il n'a pas renié la foi, il a conservé, et au moment opportun, Dieu l'a promu. C'est pourquoi, dans le programme de notre Dieu, les projets que notre Seigneur éternel forme sont toujours des projets de bonheur et de paix, nous le dit Jérémie. J'aimerais que tu saches que dans l'agenda de Dieu, tout ce qu'il a prévu concourt à ton bonheur. Concourt à ton bonheur. Notre Dieu merveilleux, il change les projets maléfiques de nos ennemis en bien. Même si on t'a empoisonné, réjouis-toi. Tu vas prier, l'Éternel Dieu va anéantir ses poisons. Même si, je ne sais quoi, tu te retrouves dans une situation compliquée pour laquelle je manquerai même de mots pour expliquer. Réjouis-toi, tu vas prier. Et notre Dieu qui dit au jour de ta détresse, tu me prieras, tu m'invoqueras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il va t'écouter et tu vas les glorifier. Bien-aimé, demeurons dans la sainte doctrine, dans la véritable foi. Comme les apôtres, et n'ouvrons et témoigneront la main puissante, infaillible et agissante de notre Dieu. Quand Jésus est apparu, il a redoré donc notre blason, il a restauré la gloire en nous et sur nous. C'est pourquoi l'Évangile dit, Christ en vous est l'espérance de la gloire. Il a pris sur lui toutes nos malédictions. Une des références dans la Bible, qu'on trouve dans les livres de Colossiens 2, 14 à 15, que j'aime beaucoup. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a pris notre honte à la croix. Donc Jésus a pris notre honte à la croix. Il a déversé son amour par son Saint-Esprit dans nos cœurs. La peur n'a plus de place en nous. Il nous communique la foi par sa parole, dont lui-même est le chef et consommateur de notre foi. Il nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Frères et sœurs, écoutez quelque chose. Le serpent mord toujours par la tête, n'est-ce pas? Le scorpion mord toujours par la queue. Donc nous avons la puissance de marcher sur le diable depuis sa tête, qui symbolise donc la morsure du serpent, jusqu'à la plante de ses pieds, qui est symbolisée par la morsure donc du scorpion. En d'autres termes, nous avons le pouvoir d'écraser, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire, dit la parole. Et la meilleure, par-dessus toute chose, il nous a redonné notre position perdue en Éden. L'apôtre Paul va un peu plus loin jusqu'à dire que nous sommes co-héritiers du royaume de son Fils. C'est pourquoi la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation des fils et filles des dieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna. Peuple des dieux, ne baissons jamais nos bras, tenons ferme. Bientôt notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans les airs et nous irons à sa rencontre. Amen, soyez bénis. Et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ illumine votre journée. À la prochaine. Oh, mais bien avant qu'on se sépare, donc bien avant qu'on se quitte, j'aimerais t'adresser, toi qui m'as écouté et qui voudrais également être bénéficiaire et héritier de toutes ces promesses. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te présente l'occasion de faire les meilleurs choix de toute ta vie et pour lequel tu ne regretteras jamais. Invite Jésus dans ta vie en confessant de ta bouche qu'il est Seigneur. Et en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fais la paix avec lui, il pardonnera tes péchés et tu deviendras enfant des dieux. Amen.